Dis-moi la vérité. Est-ce que tu savais que ça c'est dans la Bible? Non. Mais à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça, pour notre identité. Parce qu'on a été menti. That's right. Menti parce qu'on savait pas. On savait dans la vérité dans ça que c'est nous les enfants d'Israël pour de vrai. Si tu dis que les vrais juifs viennent de l'Afrique, à quoi ressemblent ces juifs-là? Bring it out. Tu veux dire voilà. Des juifs et des études? Non, mais vous venez. Noirs. Alors les juifs sont noirs? Bah oui. Alors les juifs qui sont en Israël aujourd'hui, c'est quoi leur identité? Ça, ils viennent de l'Afrique, de l'Europe de l'Est. Alors est-ce qu'ils sont des vrais juifs? Non. Merci. Non. Jamais de la vie. Même les Arabes savent que les juifs en Israël ne sont pas les vrais juifs. De l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. À ce que je sache, les Haïtiens n'ont pas la supériorité sur toutes les nations sur la terre. Les Haïtiens, c'est le peuple le plus bas, le plus pauvre dans, dans toute l'Amérique. Maintenant, va au verset 15. Donc Moïse dit, si vous observez les commandements de Dieu, vous allez avoir des bénédictions et vous allez avoir la supériorité. Moi, j'ai déjà fait ça. Hein? Moi, j'ai déjà fait ça, je suis chrétienne d'abord. Observez les commandements, mais... Attends, je sais. J'ai pas de problème avec ça. Va au verset 15. Mais je peux pas rester parce que... Ok. Un verset, 68. Je vais te montrer cette image-là dans la Bible. Laisse-moi te montrer ça. Verset 68. Le livre de l'Éternel. Parce que, dis-moi la vérité. Est-ce que tu savais que ça, c'est dans la Bible? Non. Mais à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça, pour notre identité. Parce qu'on a été menti. That's right. Parce qu'on savait pas... On savait pas... Dans la vérité, dans ça que c'est nous les enfants d'Israël pour de vrai. Ça c'est la traîne, l'esclavage. Nos ancêtres ont passé par là. En Haïti, il y a eu l'esclavage en Haïti, n'est-ce pas? Avant, c'est qui nous met en esclavage? Bonne question, lis ça. Enfin, je vais te répondre avec la Bible. Let's go. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Oui. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Lorsque Moïse dit, l'Éternel te ramènera, oublie pas, on sort. Le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. On était quoi? Les Israélites étaient quoi en Égypte? C'était quoi leur condition lorsqu'ils étaient sous Pharaon? Qu'est-ce qu'ils étaient? Quoi? Les Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, sous Ramsès, qu'est-ce qu'ils étaient? C'était quoi? Des esclaves. Maintenant, Moïse dit, je vais vous ramener, cette fois en esclavage, mais c'est pas sous des navires. Sur des navires. Est-ce que de l'Égypte en Israël, tu avais besoin des bateaux pour aller là-bas? Non. Mais là, c'est pas dit, c'est pas tu vas aller en esclavage, mais sur des navires. Reprends le verset. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Égypte, ça veut dire maison de servitude. Je veux juste aller rapide. Là où coule le lait et le miel? Non, ça c'est en Israël, dans notre pays. Ok, pas en Égypte. En Égypte, c'est la maison de servitude. Lis rapidement. Tu ne le reverras plus. Et là, quand il dit et là, arrivé en Amérique, arrivé au Canada, aux États-Unis. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis. On sera vendu à nos ennemis comme esclaves. Comme quoi? Comme esclaves. Comme esclaves. Et comme servants. Et comme servants. Est-ce que c'est arrivé à nous ça? Ah, oui. Parce que vous prenez vérité. Hein? Moi, je peux rien dire. Ah, pourquoi tu veux rien dire? C'est la vérité. Je sais, la vérité, comme on dit, la vérité choque. Mais, that's the truth. La vérité blesse. Mais moi, je. Alors, ces juifs-là qui sont en Palestine, qui sont en Israël aujourd'hui, est-ce qu'ils ont passé par là? Parce que Moïse s'adressait à eux autres. Mais nous tous les Noirs, nous sommes des esclaves, des descendants d'esclaves. Alors, nous sommes les enfants d'Israël. C'est vrai. Parce que les autres nations ils sont pas passés par l'esclavage. Mais nous tous, nous venons du peuple d'Israël. Hein? Non. Voici les descendants d'Israël. Les latinos, les natifs amérindiens. Si on peut trouver notre identité dans Deutéronome 28, nous sommes les enfants d'Israël. C'est vrai. Nous sommes les enfants d'Israël. Et même, je vais te dire quelque chose, même les Arabes savent
que ces juifs-là ne sont pas les vrais juifs. Ils le savent. Comment s'appelle l'Égyptien là qui avait dit l'affaire là? Comment ça se fait les juifs Nasser. Sont Nasser. Comment ça se fait ils ont quitté Jérusalem noir puis sont retournés blancs? Mais le problème c'est que le. Ok, bon. Maçon, je parle avec lui. Lis ça, ok? Ok. Lis ça, appelle-nous. Les juifs, ils n'ont pas reconnu Jésus comme, comme prophète. Oui, ils ont, c'est ça, ils n'ont pas reconnu. Les musulmans, ils croient que c'est le fils okay. de Dieu. Mais quand tu dis les juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ, qui sont ces juifs-là? Qui Attends, sont ces juifs-là? Bravo, bravo. Tu, vous parlez anglais? Bravo. Vous parlez anglais? Français, c'est mieux. Ok, vas-y. Bonsoir, arabe, autre chose. C'est une très bonne question. Mm-hmm. Parce que les vrais juifs, les vrais juifs, ils viennent de l'Afrique. Moi, je suis africain. Ils viennent de l'Afrique du Nord. Mais les méchants, ils viennent de l'Europe de l'Est. Alors, si les vrais. On appelle ça des sionistes. Alors, si les vrais juifs. Qui nient Jésus-Christ. Ok, non, mais attends, je m'arrête dans ce que tu veux dire. Si tu dis que les vrais juifs viennent de l'Afrique, à quoi ressemblent ces juifs-là? Bring it out. Tu veux dire voilà. Des juifs, des études. Non, mais vous venez. Ils sont noirs. Alors, les juifs sont noirs. Bah oui. Alors, les juifs qui sont en Israël aujourd'hui, c'est quoi leur identité? Ça, ils viennent de l'Afrique, de l'Europe de l'Est. Alors, est-ce qu'ils sont des vrais juifs? Non. Merci. Jamais de la vie. Même les Arabes savent que les juifs en Israël ne sont pas les vrais juifs. Ils viennent de dire. Bravo. Merci. Il faut faire la différence entre les sionistes et les juifs. Ok. Révélation les juifs, ils sont humains, mais les sionistes, c'est des méchants. C'est des sanguinaires. C'est vrai. C'est vrai. Passe une bonne journée. Bonne journée. Aïe, aïe, aïe. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. J'ai des témoins de Jéhovah à côté de moi. Est-ce qu'ils enseignent ça dans leur église? Dépouille-moi. Est-ce que les témoins de Jéhovah enseignent cette vérité-là? Est-ce que les adventistes du septième jour enseignent cette vérité-là? Est-ce que les baptistes enseignent cette vérité-là? Pleine religion sur terre. Mais est-ce qu'ils enseignent vraiment? Non, regarde, en d'autres mots. Est-ce qu'ils disent ce que mon frère vient de dire là? Right. Ils reconnaissent que les juifs aujourd'hui ne sont pas les vrais juifs. Right. Ils viennent de confirmer. Mais les églises devraient enseigner ça. Lis ça, Révélation 2:9. Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Uh-huh. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Mm-hmm. Bien que tu sois riche. Mm-hmm. Bien que tu sois riche, le peuple d'Israël est un peuple riche. Mais on est pauvre aujourd'hui. Le peuple, les vrais juifs, les vrais israélites sont au plus bas de l'échelle. On ne mène pas sous cette terre. Tout d'abord que Christ ne revient pas, on ne va pas mener sous cette terre. Continue. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Se dit, aujourd'hui, l'haïtien ne dit pas qu'il est juif aujourd'hui. Le cubain ne dit pas qu'il est juif aujourd'hui. C'est qui disent qu'ils sont juifs aujourd'hui? Lis. Et ne le sont pas. Ils sont quoi? Mais ne le sont pas. Ils ne sont pas les juifs, c'est ce que la Bible dit. Comme le frère arabe vient de dire, lis. Mais qui sont une synagogue de Satan. Waouh. Waouh, ils sont une synagogue de Satan. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ouais. Et la Bible que je lis, c'est la même Bible que toutes les églises lisent. Mais comment ça se fait? Ils n'enseignent pas ça à leur église. Je vais le dire à la soeur, c'est des mensonges. On va à l'église tous les fins de semaine, mais c'est des mensonges qu'on absorbe. Pas la vérité, mais nous on va dire la vérité. Et on n'a pas besoin d'argent. Hier, on voulait nous donner de l'argent, on a refusé ça. On n'est pas là pour l'argent. Ouais. On est là pour la délivrance de notre peuple. Ouais. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is unity.